C'est bon? Ok. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ici pour vous parler de l'importance de l'éducation populaire au numérique. C'est un titre un peu pompeux qui sera... on va voir, c'est pas aussi compliqué que ça. Alors, déjà, je voudrais commencer par l'accessibilité. Donc, quand on fait une conférence, la première chose à faire, c'est de voir si tout le monde arrive à lire la présentation. Donc là, bon, il y a peut-être la qualité de l'écran, etc. Je sais par expérience que les couleurs que moi j'utilise sont lisibles par toutes et toutes, mais si jamais il y a quelqu'un qui avait des difficultés à voir ces couleurs-là ou autres, il faudrait le signaler, parce que ça me permettrait d'améliorer les prochaines présentations. Après, il faut savoir que la présentation est disponible en ligne, donc ce n'est pas la peine de prendre des notes, vous pouvez contenter d'écouter, s'il y a des choses que vous voulez reprendre à tête reposée, vous pourrez le faire. Oui, pardon. Oui, on peut tweeter, oui, il n'y a pas de souci. Hein. Je ne m'offusquerai pas si vous êtes en train de pianoter comme des malades, il n'y a aucun souci avec ça. Et après, un autre souci d'accessibilité, c'est celui de l'audition. Je parle très vite, mais vraiment très vite, je pense que vous vous rendrez compte. Donc s'il y a quelqu'un qui a un souci avec ma vitesse d'expression, vous faites un signe, vous me faites parler un petit peu moins vite, je ne m'en offusquerai pas, au contraire. Le but, c'est vraiment d'être compris par toutes et toutes. Ce n'est pas qu'il y ait quelqu'un qui reste sur le bord de la route. Ouais, vous faites comme un nuit debout, un peu un signe, comment dire, parle moins vite. Je sais, parce que ça, des fois, quand par exemple, il y a un interprète, ça peut être un souci, parce que l'interprète, il faut qu'il fasse ça en langue des signes. Donc, c'est des petites choses qui sont importantes pour l'accessibilité. Donc, je disais l'importance de la communication, c'est un peu le fil conducteur de ma présentation. Ça commence par ça, être accessible visuellement et de façon auditive. Pour l'accessibilité, pour la mobilité, faut avoir c'est une contrainte par rapport au lieu. Le conférencier n'est pas forcément le plus à même pour ça. Donc c'est parti, voilà. Alors, à propos de moi, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Genma, j'ai un blog et un Twitter. Bon, je vous laisse chercher, ou sinon vous venez me voir, et puis je vous ferai ma petite présentation personnelle. Ce qui est vraiment important, pourquoi je parle de moi, c'est que j'ai avant tout une expérience d'autodidacte. J'ai appris à apprendre l'informatique. Je ne suis pas informaticien de formation, je n'ai pas fait une école d'ingénieur ou autre. J'ai appris grâce à des gens qui ont pris le temps de partager sur Internet leurs connaissances. Donc je remercie tous les hackers et les hackeuses qui ont partagé des tas de tutos, qui ont fait des tas de choses sur Internet, qui m'ont permis, moi, d'apprendre. Et maintenant, j'ai un certain bagage informatique qui me permet à mon tour de diffuser mes connaissances. Moi, je suis plus dans un aspect de vulgarisation, de sensibilisation des personnes pour les amener à elle-même à s'approprier ces connaissances-là. Donc, comme je dis, je me définis comme un vulgarisateur. J'ai fait des formations, des conférences, des ateliers destinés avant tout à des grands publics, à aussi des gens que je qualifierais de libristes, quelquefois des journalistes ou même des fois des geeks activistes. J'ai différentes activités dans le milieu associatif, surtout libriste, donc tout ce qui est Framasoft, Mozilla Firefox, les cafés privés, etc. Donc, je gravite autour de toutes ces sphères-là. Et donc, ce que je voudrais présenter, là, c'est un petit peu un retour d'expérience sur comment parler des causes qui nous sont chères au grand public. Parce que des fois, on a envie d'en parler, de dire « oui, le libre, c'est très bien, etc. » Mais on n'a peut-être pas les bonnes formulations et on se retrouve face à des personnes qui nous disent « oui, mais toi, tu t'y connais. Toi, tu es informaticien. » Et donc, d'où le côté « moi, je ne suis pas informaticien de départ. J'ai pris le temps d'apprendre et on va voir après quelles conséquences ça a. » Donc, le pourquoi de cette présentation. Alors là, c'est un texte, je vais le résumer un petit peu. Je pense que vous l'avez toutes et toutes constaté, l'informatique est présente dans notre vie de tous les jours. On a potentiellement tous accès à un ordinateur. On n'a pas forcément tous un ordinateur, parce que c'est quelque chose qui coûte cher, mais on a accès au moins via les médiathèques, on les en remercie, accès à Internet. Donc on a accès à un outil de savoir, de connaissance et de partage. Il y a cette notion-là qui est importante aussi. Il faut que les personnes comprennent c'est quoi Internet, et que ce n'est pas uniquement un Minitel, c'est pas TF1, il y a une accessibilité à du savoir, mais aussi une possibilité de diffuser à leur tour le savoir. Et pour faire ça, il y a une importance de la communication et de la vulgarisation. Alors, vulgarisation, ça ne veut pas dire on raconte n'importe quoi. Il faut peut-être simplifier, mais il faut rester, faut tenir des propos justes, faut trouver les bonnes formulations, mais faut pas enseigner n'importe quoi. Donc, c'est un équilibre à trouver entre je simplifie, je vulgarise, mais il ne faut pas non plus que la personne reparte avec des idées fausses ou des a priori. Donc, c'est un petit peu difficile. Alors, il y a aussi c'est important pour moi qu'on ne pense plus RTFM. Le RTFM, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est va lire ton foutu manuel. Quand on dit à quelqu'un, oui, t'as qu'à lire, il y a de la doc. Oui, mais c'est pas forcément évident. Est-ce que la doc est vraiment accessible? Parce qu'il y a peut-être des termes techniques qu'on ne comprend pas, qui pour nous, informaticiens, c'est évident, et pour d'autres ne le sont pas. Donc, il faut peut-être faire des glossaires ou autres.
Donc c'est important de garder ça en tête. Et que chacun et chacune ait les moyens de s'approprier le numérique et de comprendre les enjeux. Moi, ma cause qui est importante, c'est j'adore Internet et j'ai envie que tout le monde puisse utiliser l'Internet que j'aime. Et donc c'est l'importance de la neutralité du net, l'importance de la vie privée, la lutte contre les GAFAM, etc., de faire passer le message, que la personne le comprenne et s'approprie après ce message-là, éventuellement le diffuse. Donc, comment éduquer au numérique ? Donc j'ai dit le pourquoi, maintenant le comment, comment on peut faire ça ? Donc peut-être faut commencer par définir le numérique. Bah, c'est un nouveau savoir fondamental au même titre que parler, écrire et compter. Pour moi, à l'heure actuelle, si on, comment dire, la société moderne, il faut savoir utiliser le numérique au sens large. Donc il faut savoir lire, écrire et compter, et savoir diffuser et aller chercher de l'information via le numérique, hein, au sens large, Internet, etc. D'accord ? Mais le numérique, c'est très large. Donc comment on pourrait définir ça ? Est-ce que c'est être au courant des dernières tendances et savoir s'adapter ? Est-ce que c'est savoir coder ? Parce qu'on parle beaucoup de « on va apprendre aux enfants à développer, à coder ». Est-ce que c'est savoir gérer un réseau ? Est-ce qu'on a une box Wi-Fi chez soi ? Est-ce que ça va jusque-là ? Est-ce que c'est maîtriser les fichiers multimédia ? Pour les vieux et les vieilles comme moi qui ont connu l'époque du CD-ROM, du multimédia. Voilà, donc c'est pas facile. Et c'est où on s'arrête ? Parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut apprendre en informatique. Et donc c'est où on commence, où on s'arrête. Mais je vais vous donner peut-être des réponses. Ce que je pense qu'il est important de faire, c'est servir de facilitateur. C'est nous, en tant que sachants, que connaisseurs, on soit là pour faciliter l'accès à ces outils numériques aux personnes qui en ont peut-être même plus besoin que nous. Parce que il faut faire de l'éducation populaire. Donc là, c'est passer du temps à diffuser ses connaissances, aller vers l'autre, pas rester entre nous, entre informaticiens, partager ses connaissances. Donc comme je le dis, c'est faire des tutos, des wikis, etc. C'est très important, mais peut-être faire aussi des tutos plus simplifiés, plus accessibles. Donc toujours avoir cette notion de quel est le public que je vise. Faire des docs très techniques, mais aussi des docs un petit peu plus simplifiés. Pas simplistes, simplifiés, accessibles. Alors dans quel but de tout ça ? C'est apprendre vraiment aux gens à être des acteurs du web. C'est ça qui est important dans l'éducation au numérique, c'est que les gens deviennent des acteurs du web. C'est qu'ils ne soient pas des consommateurs. Et être acteur du web, ce n'est pas commenter pour troller sur des sites de news people, c'est diffuser sa propre connaissance. Ça peut être le petit vieux qui a connu la guerre, qui va faire sa biographie sur Internet pour partager son expérience. Ça peut être quelqu'un qui sait faire du pain ou de la bière, qui va partager sa conférence. Et PSS a bon exemple de cette notion de partage, d'aller vers l'autre, de diffuser ses connaissances. C'est une forme d'éducation populaire. Donc on remercie les orgas de PSES pour nous proposer un superbe endroit, et la médiathèque aussi, pour faire cette diffusion de connaissances-là. Donc, d'une façon générale, c'est faut sensibiliser. Alors quelques conseils que je me permets de donner par rapport à mon expérience, se rappeler d'où on vient. On a toutes été des débutants. Rappelez-vous ça en tête, on a toutes et tous été des débutants. Et on est encore dans beaucoup d'autres domaines. Alors je vais prendre un exemple un peu caricatural, je m'excuse par avance s'il y a des gens qui font du sport ou du marathon. J'ai un pote, lui c'est un marathonien, puis il me fait « Oh, t'as pas tout couru, t'es 20 km ce week-end ? Mais t'es nul ! Oh, tu fais pas ton footing tous les matins ? Mais t'es nul ! » Et là, il est dans le jugement, je me dis « Attends, mais c'est quoi cet abruti ? Il me traite de nul parce que je cours pas, etc. » Mais pour lui, c'est simple de courir ses 5 km tous les matins, ou j'en sais rien. C'est simple de faire son semi-marathon toutes les semaines. Pourquoi ? Parce qu'il a passé du temps et des années à s'entraîner, à courir encore et encore. Il a peut-être des facilités physiques pour pouvoir faire cet entraînement-là. Et toutes ces heures que lui a passées à courir dans un stade, moi, c'est des heures que j'ai passées à faire de l'informatique, à apprendre de l'informatique. Donc, si je lui dis, attends, tu connais pas GNU Linux, mais t'es nul. Tu utilises Windows 7, ah, c'est le mal. Pire, tu utilises Windows Vista, mais t'es vraiment un nul. Voilà, ça vous fait rire. Mais on a toutes et toutes entendu ce genre de propos. Dites-vous que, voilà, quand quelqu'un vous dit, t'es nul, tu fais pas ton marathon, ça revient à quand vous lui dites, ah, mais attends, tu dis Windows Vista, t'es nul. Donc, voilà, déjà, on se braque par rapport à l'autre. Donc, d'où la notion qui est importante de respect. Il faut respecter l'autre. Il faut comprendre ses besoins, ses attentes, ses demandes, être à l'écoute. Être à l'écoute. Dire, voilà, qu'est-ce que toi, tu as besoin de faire avec un ordinateur ? Ah, j'aimerais bien... Et lui expliquer les possibilités. Dire, voilà, tu peux faire un blog pour partager ton vécu. OK, j'y connais rien en informatique. D'accord, qu'est-ce que tu voudrais faire ? Ah, j'aimerais bien parler des recettes de cuisine que je fais. D'accord, je vais t'accompagner. Je vais t'expliquer c'est quoi les bases d'Internet, c'est quoi mon domaine, c'est quoi... Et je n'ai pas commencé à lui faire l'administration de système sur le chiffrement, par exemple, si on n'en a pas besoin. C'est adapter le discours aux besoins de la personne. Donc mettre la personne au centre, lui dire, voilà, qu'est-ce que tu veux communiquer ? Comment tu veux le faire ? Jusqu'où tu es prêt à aller ? Qu'est-ce que tu es prêt ? Combien de temps tu es prêt à passer pour faire ce que tu veux faire ?
Mais pas lui cacher. Par exemple, s'il dit, ah, j'aimerais bien être, avoir ma box pour faire mon auto-hébergement, etc. Ce n'est pas les mêmes contraintes que de lancer un site internet. Donc vraiment lui dire, voilà, bah, ça va te prendre du temps. Il y a des contraintes. Est-ce que tu as le temps d'apprendre ça? Est-ce que tu es prêt à le faire? Il faut se mettre à son niveau. Donc s'adapter et puis monter le niveau de compétence. Mais pas commencer très haut au départ. C'est vraiment commencer par définir le vocabulaire, être bien d'accord que la personne a compris, et petit à petit, on élève son niveau de connaissance et de compétence. Il faut être patient, il faut être pédagogue. C'est pas donné, c'est pas évident, c'est pas facile tous les jours. Des fois, on rage. Je pense qu'on a tous et toutes des parents qui disent « Ouais, mais ça, je le clique, ça marche pas. » Ok, bon, on va faire un cours de clic de souris. Il y a un clic gauche, un clic droit. Des fois, on en a à ce niveau-là, ça fait sourire. Mais oui, mais un jour, moi, je savais pas utiliser une souris. J'ai appris à utiliser une souris. Alors peut-être qu'après, on dit tout souvent, les enfants, ils sont plus à l'aise, etc. Non, c'est juste qu'ils n'ont pas d'appréhension. Ils n'ont pas d'appréhension, parce que pour eux, il y a une tablette, bah, ok, je touche, ils ont un iPad, un Android, etc. Pour eux, c'est des icônes, je touche, je manipule, puis je fais planter le truc. Mais ils ne savent pas comment ça marche derrière. C'est juste qu'ils n'ont pas l'appréhension. Par rapport à des personnes peut-être un peu plus adultes, un peu plus âgées, qui là, vont dire, ah non, j'ai peut-être cassé, je vais peut-être prendre un risque. Moi, la première fois que j'ai eu un ordi, le soir même, je l'ai réinstallé, parce que bah, j'ai viré des fichiers dans C2.Windows, et puis, ah bah, ça marche plus. Ça fait rire, mais c'est comme ça que j'ai appris. Dans le respect, il y a aussi pas de propos sexistes, misogynes, excluants. Il ne faut pas que les personnes avec qui on discute se sentent exclues. Donc, comme je disais, par rapport, il y avait le côté marathonien, etc. Mais pareil, si on dit « Oh, mais t'es nul ou t'es une fille », même si c'est, on trouve ça drôle, on va dire « Oh, mais attends, t'es blonde ». Non, c'est une blague de merde, on arrête. Il faut être comment dire, inclusif. Il ne faut pas être dans le jugement de l'autre ou dire « Non, mais tu seras un mec, tu comprendras ». On oublie toutes ces blagues de merde-là. Si on est dans le respect de l'autre, on a un être humain en face de soi, on prend le temps. Et on s'adapte. Après, donc, il ne faut pas dire « Oh, mais t'es trop bête pour comprendre ». Non, elle n'est pas trop bête. C'est peut-être qu'à nous de nous remettre en question et de se dire « On n'a peut-être pas le vocabulaire adapté ou autre ». Donc, d'une façon générale, je disais « Là, il faut arrêter l'intégrisme ». Ce n'est pas forcément l'intégrisme. C'est plus comment dire, l'extrémisme. Ou, mais pas l'arrêter. C'est, on peut dire « Voilà, moi, je, comment dire, dans mon idéal, je fais ça, etc. » Mais pas imposer à l'autre. Dire « Voilà, moi, mes règles de conduite, c'est ça. Je dis GNU, Linux, qu'on verra après, etc. Mais il faut être peut-être un petit peu de tolérance. Voilà. Le point important, c'est qu'il faut sortir de notre tour d'ivoire. Un petit test pour voir ceux qui sont nés avant les années 2000. Voilà. Alors, comment on peut faire pour sortir de notre tour d'ivoire? Utilisez un vocabulaire adapté. Attention, bouchez-vous les oreilles. Alors, on peut dire Linux et même Ubuntu. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut simplifier, mais il ne faut pas mettre dans l'erreur. Donc on va commencer par dire, voilà, il y a Ubuntu. Et après, si la personne est réceptive, elle commence à comprendre un petit peu, on va dire, il y a Linux. Et après, on va dire, il faut dire GNU Linux. Mais il ne faut pas commencer en disant, ouais, alors j'ai un truc qui s'appelle Linux, GNU Linux. Non, tout de suite, on est dans l'agression. T'as pas couru ton marathon, t'es nul. Non, on va dire, écoute, il y a Linux, c'est un noyau, etc. Ah, mais c'est quoi un noyau? Bah, c'est le moteur, donc... Ah, mais c'est donc, bon, un moteur, on connaît, mais... Adapter le discours, puis si éventuellement la personne est réceptive, on va dire bah, GNU Linux, et après peut-être qu'elle dira GNU Linux, mais peut-être qu'elle dira jamais ça, elle dira peut-être Linux, ou ah, ton truc avec le pingouin, ou ton truc là, avec le renard que je clique pour aller sur Internet. Il faut accepter que oui, il y a des personnes qui puissent utiliser un vocabulaire qui n'est pas forcément le nôtre. Ce qui est important, c'est que le message passe. Idéalement, on va élever le niveau de connaissance et les faire utiliser le bon vocabulaire, mais au départ, il faut faire des petites concessions. Même si ça déplaît à Richard. On va parler, par exemple, de coffre-fort numérique. On ne va pas tout de suite parler de VeraCrypt, TrueCrypt qui passe. Oui, c'est la finalité derrière. Mais, de mon expérience, quand je parle aux gens, je dis, voilà, tu vas faire un coffre-fort numérique. Là, les gens, tout de suite, disent, et ils comprennent. Coffre-fort, c'est quelque chose qui est... c'est un objet qu'on comprend. Et après, on amène, on dit, tiens, est-ce que tu aimerais bien avoir un coffre-fort numérique pour mettre tes documents en sécurité? Les gens disent oui. Je dis, ok. Alors, ce coffre-fort numérique, c'est qui passe, ou c'est VeraCrypt, etc. Et là, on amène le tutoriel technique. On a créé un besoin, où on a dit à la personne qui a peut-être besoin de ça, mais comme elle sait que le logiciel, là, qui a un nom bizarre, un truc en anglais, machin, c'est un coffre-fort numérique, c'est plus facile pour elle d'appréhender les connaissances techniques derrière. Bon, il faut accepter qu'on dit scripté. Oui, non, mais j'explique. J'ai dit, il faut accepter. Ce qu'il faut dire, c'est, la personne va dire scripté, il ne faut pas dire, ah, elle en dit chiffré. On va dire, écoute, ok, c'est crypté, dans le bon vocabulaire, crypté est un anglicisme, mais déjà, le mot anglicisme, c'est peut-être compliqué, il faut peut-être le définir. Et après, on va élever le niveau de connaissance. Dire, voilà, crypté n'est pas le bon terme, on utilise chiffré, mais il ne faut pas être dans le jugement. C'est on apporte la connaissance, mais pas tout de suite sauter sur ses grands chevaux et dire, ah non, on ne dit pas crypté. Alors après, moi, je me permets de crypter mes disques durs, parce que je les chiffre,
Et après, je les mets dans le caveau familial. Donc, ils sont à la fois chiffrés et cryptés. Voilà, pour la petite humour. Non, mais ça, c'est, ça fait sourire, mais c'est vrai que... si, rappelez-vous, le marathonien. Oh, tu cours pas ton marathon, t'es nul. Oh, tu dis crypté, ah ! Non, ça peut être marrant entre nous, mais quelqu'un d'extérieur va dire, mais c'est quoi ces gens, ils parlent de trucs obscurs. C'est... donc, il faut faire attention. On peut utiliser des métaphores pour une communication adaptée. Utiliser les analogies comme celles des recettes de cuisine. Par exemple, un bon exemple que moi, j'ai trouvé pour communiquer sur ce qu'est le logiciel libre, c'est utiliser les recettes de cuisine. Donc toujours pareil, c'est on utilise une métaphore, une image, pour aider la personne à comprendre un concept, et après, on l'amène à des choses un peu plus techniques. Sur, si on commence par la GPL, alors c'est la règle 0, la règle 1, ça devient compliqué. On peut faire un petit peu plus simple. Ou le logiciel libre, je le définirais en trois mots. Liberté, égalité, fraternité. Bon, c'est un petit peu déjà une forme de vulgarisation, c'est un petit peu plus accessible. Une autre forme, c'est dire, voilà, le droit d'accéder au code source. Il faut voir un programme informatique, un logiciel, comme un gâteau. On a une recette de cuisine, on va pouvoir regarder ce qu'il y a dedans. L'intérêt de regarder ce qu'il y a dedans, c'est de voir ce qu'il y a. S'il y a des allergènes, je suis allergique aux noisettes, je sais que le gâteau n'est pas bon pour moi. Mais comme je peux le modifier, je vais pouvoir enlever les noisettes et les remplacer par quelque chose de meilleur ou autre, ou faire un gâteau à la vanille, au chocolat, etc. Et là, personne ne le comprend. Elle se dit, ah ouais, mais tu peux faire la même chose version informatique. Oui, si tu sais cuisiner, tu fais des gâteaux autres. Si tu sais programmer, tu vas faire des logiciels autres, en partant d'un logiciel déjà défini. Le droit de faire des copies du logiciel, c'est typiquement les livres de recettes de cuisine. Le droit de vendre du logiciel, on peut vendre du logiciel libre. Oui, on vend un service. Le service qu'on vend, c'est quoi? C'est un gâteau qui est déjà tout fait, qu'on achète au pâtissier ou version industrielle. Moi, je n'ai pas le temps de cuisiner, j'y connais rien, et ben, je vais acheter un gâteau déjà tout fait, qui peut suivre éventuellement une recette que j'ai regardée, qui dit, voilà, il n'y a pas d'allergène, donc je peux manger ce gâteau-là. Et là, tout de suite, la notion de logiciel libre passe beaucoup plus facilement auprès des personnes. Et le droit d'améliorer, bah, c'est typiquement bah, les sites où, comme je disais, le modifier la recette, l'améliorer, la changer. Et là, voilà, en quelques images, je lui ai fait passer le concept de logiciel libre. Donc si vous voulez expliquer à quelqu'un c'est quoi le logiciel libre, c'est quoi les GNU, Linux, etc., utilisez l'analogie des recettes de cuisine. Et après, on passe à, eh bien, il y a les GPL, c'est une licence, c'est quoi une licence, c'est une sorte de contrat, etc. Et on va un peu plus loin. Mais comme au départ, on a déjà donné des notions, hein, des concepts, on a permis à la personne de s'approprier les notions, et c'est plus facile après d'aborder des choses un peu plus techniques. Donc il faut utiliser une communication accessible. Alors quelques exemples, pour les enfants par exemple, il y a Scratch for Kids ou Python pour les kids. Là on voit, il y a un visuel coloré, il y a, comment dire, c'est amener des notions de programmation, mais c'est pas tout de suite de la doc Python, et c'est pas un man Python. C'est, il y a des petits exemples, des formes de jeux, et donc ça c'est une communication accessible. Il y a le « Il était une fois Internet ». Et là, c'est un très bon exemple. C'est comment comprendre comment ça marche Internet sous forme de théâtre. Mais, comme je disais, la vulgarisation ne veut pas dire raconter n'importe quoi. Les personnes qui ont fait « Il était une fois Internet » se sont beaucoup documentées, ont pris le temps de comprendre les concepts et vont amener des notions sous forme un peu ludique. Donc là, sous forme de théâtre. Donc c'est cet après-midi 15h, c'est ça? Voilà. Donc c'est pour celles et ceux qui s'intéressent, cet après-midi 15h, vous aurez le spectacle, un extrait de « Il était une fois Internet ». Je vous recommande. Et voilà, c'est un bon exemple de... ça permet de découvrir un domaine sans tout de suite mettre les mains dans le cambouis, rentrer dans la technique. Et après, si on veut, on peut le faire. Un visuel qui interpelle, qui est lié à la culture populaire. Par exemple, un bon exemple, c'est Framasoft avec sa campagne de sensibilisation à dégoulisant Internet, qui a repris l'image avec les irréductibles villages libristes et comment dire, les camps romains à côté. Bah là, tout de suite, ça tire l'œil, ça parle aux gens. Et après, on va dire aux gens, voilà, bah, est-ce que vous avez un compte Facebook? La plupart des gens me répondent « Oui, est-ce que vous mettez tout sur Facebook ?» Et puis là, les personnes vont dire « Bah non, je ne mets pas tout, parce que... pourquoi ?» Je ne suis pas dans le jugement du « Ah, j'ai un compte Facebook, c'est le mal !» Non, c'est « Je suscite l'interrogation de la personne. » La personne me dit « Oui, j'ai un compte Facebook, ok. Est-ce que vous mettez tout ?»« Bah non, je ne mets pas tout. Pourquoi ?» À aucun moment, j'étais dans le jugement, j'étais dans l'interrogation. Et après, la personne me dit « Ah, parce qu'on peut m'espionner, ou j'ai pas envie qu'ils sachent tout de moi. » Et là, on amène les notions un peu plus techniques en disant « Est-ce que vous savez que chaque fois que le j'aime de Facebook, le petit bouton de j'aime là apparaît, Facebook sait que vous êtes allé sur le site, la notion de tracker, etc. On élève le niveau de compétence et on voit un petit peu si la personne est réceptive ou pas. Ou si la personne me dit, oh, de toute façon, je n'ai rien à cacher, je mets tout sur Facebook, bah, on adapte le discours. Il ne faut pas être dans le jugement dire, non, mais de toute façon, on a tous quelque chose à cacher. Non, c'est essayer de comprendre comment la personne pense, essayer de faire passer son argumentaire et d'adapter la communication. Mais ne pas être dans le jugement. Rappelez-vous le marathonien. Un bon exemple de communication aussi, c'était France 4 qui avait fait donc, un reportage Être Visible sur le net, qui avait fait une sorte de quiz avec une vingtaine de questions de sensibilisation diverses et variées
sur, comment dire, est-ce qu'on peut dire chiffré ou crypté? Il y avait, comment dire, l'hygiène numérique, c'est quoi? Est-ce que c'est nettoyer son clavier? Ou, comment dire, Bill a un bracelet connecté qui mesure son rythme cardiaque. On voit qu'il a une accélération de son rythme cardiaque quand il est avec Monica. Est-ce que c'est gênant ou pas? Voilà, ça fait sourire. Et après, il y avait un petit texte explicatif qui sensibilise à la problématique des objets connectés. Donc, si ça vous intéresse, moi, ce que je m'étais amusé à faire, c'est que c'est du flash, c'est pas accessible. J'ai fait des captures d'écran de toutes les questions et réponses du quiz, et j'ai mis ça disponible, comment dire, librement. Donc, c'est peut-être pas respect du droit d'auteur et tout ça, mais au moins, c'est accessible. C'est pas du flash, et puis ça permet de garder une trace. Et c'est plus pour encourager et remercier les auteurs de ce travail-là. Je touche pas d'argent dessus, hein, c'est disponible, un PDF, voilà. C'est pour montrer que ça, c'est une forme de communication accessible. Voilà. Et puis, un petit bisou à la personne qu'on voit sur l'affiche, là. Se reconnaîtra. Alors, donner des cours d'hygiène numérique. Donner des cours d'hygiène numérique, c'est pas laver son clavier. Hein. Quoi qu'il y a des claviers lavables. Hein. Alors, vous savez que les claviers, il y a beaucoup de germes, etc., qui sont sur les claviers qui restent et qui se développent. Bon. Donner des cours d'hygiène numérique, c'est quoi? Une définition simple que je donne, moi, quand je parle aux gens. Je dis, voilà, quand on était petit, on nous a dit, lave-toi les mains avant de passer à table. Puis on fait, oh, papa et maman, ils sont saoulants et tout. Lèche pas la barre du métro. Alors rien que pour les embêter, on fait, je lèche la barre du métro. Et après, on est bien malade et on fait, non, peut-être que papa et maman, ils ont raison, peut-être que je me lave les mains et que je fasse ce qu'ils écoutent. Eh bien, l'hygiène numérique, c'est le pendant, c'est dire, voilà, comment on va éviter une gastro-informatique. Et quand je dis ça aux gens, je dis, voilà, vous voulez que je vous parle d'hygiène numérique? L'hygiène numérique, c'est quoi? On va éviter une gastro-informatique. Et là, tout de suite, ok, ça m'intéresse. Et là, on amène des notions comme, on me vole mon PC. Là, il y a un PC qui traîne, je pars en courant avec. Bon, les ordinateurs de PSES, on ne voit pas de coutant, mais comme je fais du marathon, en fait, bah, je cours très vite, et puis ils vont me dire, oh, mais c'est pas grave, il y a un mot de passe dessus. Bon, un mot de passe, moi, j'ai les connaissances techniques pour le faire sauter. Donc, cette notion de PC volé va amener deux notions. La notion de, qu'est-ce que moi, je vais trouver en tant que voleur? Donc, il y a un mot de passe, etc., mais c'est pas grave. Donc, on va dire à la personne, mettez un coffre-fort numérique pour protéger vos données les plus importantes, et après, on va au-delà de la notion de coffre-fort numérique, on va dire, vous allez chiffrer votre disque dur. Mais comme on a créé un besoin, la personne dit « Ah oui, donc, mais même s'il y a un mot de passe, on peut quand même voir mes données qu'il y a dessus. Oui, qu'est-ce que je peux faire ? Coffre-fort numérique. Comment je peux faire un coffre-fort numérique ? Je vais vous expliquer, tutoriel sur KeePass ou autre, ou chiffrer votre disque dur. » Et là, on amène les notions. Et on est parti d'un exemple simple, le vol de PC. Et après, l'autre exemple que je donne, c'est le PC, je le pousse, il tombe par terre. Il est cassé. Qu'est-ce qu'on perd comme données ? Les gens me disent « Oui, mais c'est les sauvegardes. » Je dis « Ok, le PC là, il tombe par terre. C'est le vôtre, il tombe par terre. Quelles sont les données que vous allez perdre ? Ah bah, voilà, vous êtes bien embêté. Je dis, est-ce que... Ok, ouais, c'est bon. Ça, je tiens là. Et donc, il y a là, vraiment la notion de... Ça amène la notion de sauvegarde. On dit, est-ce que vous savez faire des sauvegardes? Ah bah, oui, bah, je sais, mais je sais pas trop. Et donc là, on va expliquer comment faire une bonne sauvegarde, etc. Et on est parti d'un exemple simple. Alors, si je suis dans les temps, donc c'est bon, j'ai 30 minutes, j'ai quelques exemples. Donc, une façon d'expliquer c'est quoi les phrases de passe. Phrases de passe, c'est un mot compliqué. On dit, plus c'est long, plus c'est bon. Voilà, ça fait rire, hein. Plus c'est long, plus c'est bon. On dit aux gens, un bon mot de passe, plus c'est long, plus c'est bon. Donc déjà, dire un bon mot de passe, c'est un mot de passe qu'on n'utilise pas partout. On n'est pas le même mot de passe partout. Et là, les gens, souvent, ils disent, ah oui, bah, j'ai le même mot de passe partout, qu'est-ce que je peux faire? Bah, utiliser un coffre-fort numérique pour stocker ces mots de passe. Typiquement, KeePass. Et on explique comment marche KeePass. Et on dit, oui, mais le coffre-fort numérique, il faut le verrouiller. Donc on va mettre une phrase de passe. Une phrase de passe, c'est le soleil est rouge et la lune est verte. C'est une phrase de passe, c'est plusieurs mots qu'on a combinés, qui ne veulent rien dire, et qu'on va facilement retenir. Après, on pourra le complexifier un petit peu. Et on explique que plus la phrase de passe est complexe et longue, plus elle est solide. Alors après, il ne faut pas induire, comme je disais au départ, des faux sentiments de sécurité. Expliquer que si quelqu'un nous en veut vraiment, il pourra forcer le coffre-fort. Le bon moyen, c'est on me tape dessus, moi le mot de passe, je le donne. Il n'y a pas besoin de faire des techniques de craquer, etc. Non, on me tape dessus, on me torture, le mot de passe, je vais le donner. Donc expliquer que le coffre-fort numérique est une protection qui a ses limites. Ce n'est pas une protection absolue. Ne pas créer un faux sentiment de sécurité. Et c'est ça qui est difficile dans la vulgarisation. On simplifie, mais il faut simplifier à l'extrême. Il ne faut pas que la personne te dise « Oh, bah, c'est bon, j'utilise Tor, et puis je suis super anonyme, etc. » Non, parce que il y a des façons de casser cet anonymat, etc. Donc, bien faire comprendre à la personne les enjeux, jusqu'où ça va, les limites des technologies qu'elle utilise. Donc là, si vous voulez expliquer les notions de mot de passe à quelqu'un, vous dites « plus c'est long, plus c'est bon », puis vous enchaînez après sur des exemples simples. Alors, après, moi, j'ai des sortes de petits sketchs un petit peu pour sensibiliser. Donc, je me permets de vous les faire. Alors, j'ai belle-maman qui vient tout à l'heure manger chez moi. Dans l'après-midi, elle veut utiliser mon ordinateur. Sauf que la veille, je voulais faire un cadeau à ma compagne. Et puis, c'est la mode des sextoys et tout ça. Donc, j'étais sur Internet et puis j'ai cherché des sextoys. Donc,
Ça en fait sourire certains, mais ça marche bien, ça. C'est tout ce qui est un peu gaulois, etc. Ça attire l'attention. Comme ça, puis la personne qui dort, hein, bizarrement, dans la salle. Donc, belle-maman arrive sur l'ordinateur. Elle veut regarder ses mails ou j'en sais rien, hein, je lui prête. Et puis d'un seul coup, j'entends « Oh, mais je ne connaissais pas ce modèle-là. » Qu'est-ce qui est le plus gênant? Bah oui, parce que je regarde, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il y a des tas de pop-up pour moins 10% sur tel sextoy, etc. Qu'est-ce qui est le plus gênant? Que belle-maman dise « Oh, mais je ne connaissais pas ce modèle-là. » Ou qu'il y a des pop-up de sextoy. Et là, tout de suite, ça vous parle, parce que oui, ça fait marrer. Et là, tout de suite, dans l'assemblée, j'ai une question de « Oui, mais comment les publicités, elles font pour savoir ce qu'on a cherché, etc. ?» Et là, on va amener la notion de tracker, on va montrer Lightbeam et tout ça. Et en partant d'une simple chose un petit peu humoristique, donc le fameux les pop-up de sextoy, ça parle à tout le monde, on amène une notion que les gens ont déjà vu, le côté des pubs qui s'affichent, qui correspondent à ce qu'on a cherché. Et on va pouvoir aller un peu plus loin dans la technique. Bon, je vais vous faire une confidence. J'ai des hémorroïdes. C'est des choses qui arrivent. Bon. Hier, on était samedi, je suis allé au supermarché, et puis j'ai pris mes courses, etc. Puis j'ai pris ma petite crème pour les hémorroïdes, j'arrive en caisse. Bon, caissière, je dis bonjour, ça va, Galma, la femme, les enfants, oui, ça va. Belle maman, ça va, oui, ça va. Donc elle passe, puis d'un seul coup, tut, ça passe pas. Bon, alors, le roller, là, tu peux aller me chercher le truc en caisse? C'était la crème pour hémorroïdes. Forcément, quand il y a quelqu'un qui est en caisse et que ça passe pas, qu'est-ce que fait tout le monde? Regarde, c'est quoi encore qu'il a acheté qui passe pas là? Donc il y a toute la caisse qui est derrière moi qui voit que j'ai acheté une crème pour hémorroïdes. Ce jour-là, il y avait trois produits achetés, le quatrième offert, donc j'ai donné ma carte de fidélité. Donc en plus, mon magasin sait que j'ai acheté, comme dire, j'ai associé le produit à, comme dire, ma carte de fidélité. Ça, c'est un exemple de la vie non numérique où il y a une traçabilité des produits que j'achète, qui sont des produits intimes, j'ai peut-être pas envie de le savoir. Donc l'alternative, c'est quoi? C'est d'aller, comme dire, dans une pharmacie où j'ai pas l'habitude d'aller, je vais aller à la pharmacie de Choisy-le-Roi, je vais mettre mon sweat à capuche, j'ai des lunettes noires, et puis j'ai changé un petit peu ma voix, et je vais demander la préparation pour hémorroïdes, ce sera un peu plus discret. Je veux pouvoir avoir cette possibilité dans le monde numérique, d'avoir cette discrétion-là, pour aller voir des choses plus personnelles, plus intimes. Et là, on va expliquer des notions sur c'est quoi tort, c'est quoi l'anonymat, la vie privée, la surveillance, etc. En partant d'un exemple qui fait rire, en disant j'ai des hémorroïdes, d'un petit sketch, après on va passer dans le monde sérieux, où là on va faire comment dire, des démonstrations un peu techniques. Mais comme les personnes ont compris le but, une analogie, là le message côté informatique technique passe un peu plus facilement. Pour sensibiliser à tout ce qui est surveillance généralisée, moi ce que je fais, c'est je dis voilà, est-ce que vous donneriez vos clés au commissariat? Là, on habite près d'Orly, comme dire, il peut y avoir des terroristes qui arrivent par avion, qui viennent se cacher chez vous. Vous êtes tous à PSES. Donc, si la gendarmerie ou la police a le double de vos clés, ils peuvent rentrer n'importe quand et vérifier dans vos placards, etc., qu'il n'y a pas un terroriste qui s'est caché dans la pile de draps. Vous êtes un peu plus en sécurité. Et les gens disent, non, mais c'est n'importe quoi. Non, la police, elle vient n'importe quand. Vous n'êtes pas là, mais c'est pas grave, elle a le double des clés, mais c'est pour votre sécurité. Dormez confiance. Là, les gens, ils sont choqués. Je dis, pourquoi vous acceptez ça sur Internet? Que n'importe qui puisse regarder ce que vous faites, comment dire, monitorer tout ce que vous êtes en train de faire en temps réel. Et là, il dit, ah, mais c'est vrai ça? Et qu'est-ce qu'on peut faire contre? En prenant une analogie du monde non numérique, on amène les notions qu'on voudrait faire passer pour le monde numérique, donc tout ce qui est surveillance, etc. Alors, si vous avez envie de vous lancer, de vous impliquer à votre tour, si vous pensez que vous avez des choses à partager parce que vous avez des connaissances, c'est pas si compliqué que ça. Le Yaka Faucon, c'est ouais, c'est bien beau de dire faut le faire, faites-le. Il y a le monde associatif. Il y a par exemple Parinux qui fait énormément de choses, dont les premiers samedis du livre. Donc le premier samedi de chaque mois à la Cité des Sciences, il y a la Stall Party. Donc là, on cherche des bénévoles, vous pouvez venir pour aider à installer GNU Linux, votre distribution favorite, et expliquer aux gens qui viennent, parce que souvent les gens ils viennent, ils disent ah Windows ça marche mal, il y a Windows 10, ça me surveille de partout, etc. Je veux le truc du pingouin ou le Linux. Et si on commence à dire non, c'est GNU Linux, ça ne va pas, on leur dit bon, on explique. On explique un petit peu, on fait un accompagnement sur c'est quoi le logiciel libre, on aide à installer et on cherche des bénévoles pour ça. Donc, premier samedi du libre ou Parinux. Il y a aussi les Ubuntu Parties qui ont lieu tous les 6 mois, ou pareil, là, on installe plus spécifiquement Ubuntu, puis un certain nombre de conférences. Pareil, à votre tour, si vous avez envie de passer de l'autre côté du miroir, donc côté scène, pour diffuser vos connaissances, faire rire les gens ou parler de choses sérieuses, faites-le. N'hésitez pas, partagez vos connaissances, vous avez forcément des choses à partager. Faites-le. Il y a l'agenda du libre, donc il y a un certain nombre d'événements qui sont partagés, comme dire, allez-y, impliquez-vous, participez, puis vous rencontrerez des gens sympas, comme dire, petit à petit, vous ferez des amis, des bons copains, des bonnes copines, et puis vous allez aider à diffuser les connaissances numériques. Et c'est important. Ou sinon, il y a aussi les cafés vie privée, chiffres aux fêtes, crypto-parties.
Lancez-vous si vous sentez de le faire, ou allez-y pour apprendre c'est quoi un coffre-fort numérique, c'est quoi comment dire, la surveillance, c'est quoi le chiffrement, pourquoi il faut dire chiffré et pas crypté. C'est une très bonne initiative, les cafés privés, c'est avec des gens très sympas. Donc allez-y, venez, et comme ça, bah, vous allez avoir une meilleure hygiène numérique d'une façon générale, et vous allez pouvoir après, à votre tour, diffuser ces connaissances-là. Donc voilà, bah, je suis dans les temps, bah, merci de votre attention, et place aux questions. Voilà. Alors, pas de questions, si, ah, si, il y a des mots qui se lèvent. Je vais poser une question. Déjà, merci pour ta conférence, c'était absolument super. Première question, c'est une question sur laquelle je tombe souvent quand je parle de ce genre de sujet autour de moi, et à laquelle sur le moment, moi j'ai pas forcément d'argument parce que en fait ça me paraît tellement logique que je trouve plus comment expliquer. C'est au final pourquoi c'est grave qu'il y ait de la surveillance de masse. Pourquoi parce que tu donnais l'exemple tout à l'heure de est-ce que tu donnerais tes clés au commissariat. Il y a des gens qui te diront bah tant qu'ils font rien de mal au final pourquoi c'est grave. Pourquoi c'est des gens de confiance, c'est la police, c'est une institution. Non mais j'entends des gens qui rigolent, mais c'est vrai que normalement, la police, c'est une institution en laquelle on devrait pouvoir avoir confiance. C'est quand même des gens qui sont là pour faire le bien, en simplifiant. Donc pourquoi c'est grave Oui, je vois, c'est quand tu tombes sur face à de l'incompréhension où la personne te dit « j'ai rien à cacher », etc. Faut peut-être revoir ces basiques avec les très bons tutos qui te disent « j'ai rien à cacher.fr », etc., qui t'expliquent un petit peu en quoi c'est grave pour avoir des arguments. Après, il y a des personnes qu'on n'arrivera pas forcément à convaincre. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de susciter l'interrogation. Si la personne ne comprend pas, tant pis. C'est juste que, comme je disais, c'est ma liberté s'arrête où commence la sienne. Ma liberté, c'est d'essayer de la convaincre qu'il y a des choses à cacher. Sa liberté, c'est de dire non, j'ai rien à cacher, que la police vienne chez moi, j'ai aucun souci avec ça. Donc, on ne pourra pas forcément lui imposer. Peut-être lui dire bon, j'ai pas d'argument là, va voir des sites, ou je vais y réfléchir, je reviendrai. Mais demander à la personne, si j'ai un argumentaire un peu plus construit, est-ce que tu acceptes que je revienne vers toi et en rediscuter? Et si elle dit non, de toute façon, c'est bon ton truc, je m'en fous, si elle s'en fout, elle s'en fout, c'est pas grave, tant pis. Faut pas, c'est ce que je disais, c'est. Il y a d'autres personnes à convaincre, on va pas perdre du temps avec celle-là. Et c'est vrai que là, j'ai pas forcément la réponse. Moi, j'utilise l'exemple du commissariat. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Il y a des gens qui aiment bien polluer, et puis il y a des gens qui disent non, je vais rouler à vélo. Pour rebondir sur ta question, il y a un argument que moi j'aimais bien sur notamment l'utilisation de Tor, et ça marcherait assez bien sur les clés au commissariat. C'est que l'utilisation de Tor, même si on n'a rien à cacher, permet à d'autres de se cacher. Et sur les clés, sur l'analogie clé au commissariat, si on demande à tout le monde de volontairement donner ses clés au commissariat, et il n'y en a que quelques personnes qui ne le font pas, ces personnes-là vont être suspectes. Et effectivement, peut-être passer autour de la personne, je n'ai rien à cacher, mais d'autres ont des choses à cacher. Ouais. Et si toi, tu caches, si tu t'astreins pas à cacher certaines choses, ça veut dire que les personnes qui ont quelque chose à cacher... Ouais. C'est un très bon exemple. Là, du coup, ça m'inspire plein de choses. Parce que là, ça donne vraiment une réponse. Parce que du coup, comme ça, tu peux dire aux gens, ouais, mais si tu as un bonnet rouge chez toi, ou si tu as un drapeau arc-en-ciel, ou si tu as des tracts de syndicaux, peut-être que là, toi, tu n'en as pas, mais ton voisin en a, donc lui, il a des choses à cacher. Surtout, les tracts syndicaux, en ces temps-là, imagine. Donc voilà, c'est un très bon exemple, ouais, je le retiens, ça. Tu vois, tu peux aller un peu plus loin dans l'argumentation, si la personne ne comprend pas, quelqu'un d'autre a des choses à cacher. Après, si elle dit, ouais, mais le truc arc-en-ciel, je m'en fous, tu vois, ou le syndicat, je ne suis pas syndicaliste, etc. Bon, ok, peut-être que la personne est obtuse, tant pis. Il y a une dame qui veut réagir ou qui veut... Oui, on peut prendre aussi un autre exemple, si on ne veut pas donner ses clés au commissariat, c'est est-ce qu'on partirait de chez soi en laissant la porte ouverte, quoi, c'est tout. Oui, très bien, oui, c'est vrai qu'il y a
Il y a cette notion de porte ouverte parce qu'on se protège plus dans des notions de vol, de comment dire, un voleur qui va accéder chez nous, bah, c'est un viol de notre intimité. On se sent généralement, bah, on se sent mal à l'aise après quand on se dit il a fouillé partout, etc. Et la police, on pourrait dire ouais, mais la police c'est légitime. Après, ça dépend, c'est trouver un équilibre. C'est, ouais, mais c'est un autre exemple aussi. C'est, bah, essayer peut-être cet argument-là. Peut-être que la personne dira oui, la police c'est pas grave parce que c'est l'autorité. Par contre, si c'est un voleur, ah non, là c'est le mal. Tu vois, c'est faut essayer de trouver, puis bah c'est pas évident, j'ai pas la réponse. C'est justement l'intérêt, c'est que là de la question, c'est que ce soit interactif. Bah, je remercie justement que faut que ça soit un travail collaboratif et puis bah que chacun amène ses idées, ses notions, comment il ferait lui ou elle ferait. Voilà. Alors sur la question des installations des Ubuntu Party et installer du matériel GNU Linux sur des ordinateurs. Notamment chez ses parents, parce que ça fait chier de faire de la maintenance de Windows, qu'on ne comprend plus rien et tout ça. Et en fait, je l'ai fait un moment, maintenant je le fais plus, parce qu'en fait, dès que quelque chose ne marche pas, ça va te tomber sur toi. Si Google ne se lance pas, c'est de ta faute. C'est parce que tu as installé du matériel, machin, et ça prend un temps fou à expliquer à se déplacer chez les gens, chez les parents, chez les copains et tout ça, à qui on a installé. Et pour le coup, c'est une responsabilité que maintenant, que je prends beaucoup plus avec des pincettes parce que c'est super chiant que ah, ben, le clic il marche pas, ah, t'as vérifié, juste si ta souris était branchée, ah, ben non, c'est la faute de ton matériel, t'as installé n'importe quoi, et c'est super fatigant en fait. Oui, je suis bien d'accord, ça c'est vrai que c'est quelque chose auquel on se confronte, et c'est ce que je disais au départ, l'importance aussi c'est d'élever le niveau de connaissance, c'est de sensibiliser les personnes où il y a un minimum à apprendre. C'est presque de l'hygiène numérique de savoir que si une souris est débranchée, bah, elle va pas marcher. Tu vois, c'est pas forcément de l'hygiène pure, mais ça rejoint un petit peu ces notions de base que, si la tour elle est pas allumée, l'ordinateur il marche pas, c'est normal. Les gens me disent « Ah, mais non, ça marche pas, j'ai pas, c'est compliqué. » Non, faut réussir à trouver les mots et à faire comprendre aux gens que oui, pour que l'ordinateur, il y ait des choses qui s'affichent, peut-être que l'écran soit allumé. Et démystifier le côté technique de « Ah non, c'est trop compliqué, toi t'es informaticien. » C'est pas évident. C'est du travail de longue haleine. Avec les proches, les parents, c'est encore pire parce que toi, tu t'y connais, t'es informaticien. Et quand ils disent, toi, tu t'y connais, t'es informaticien, ils sont un peu comme s'ils disaient, ouais, mais toi, tu sais courir facilement, t'es marathonien. C'est un peu le pendant. Et donc, réussir à convaincre que non, l'ordinateur est un outil formidable, il permet d'accéder à Internet. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah moi, j'ai envie de consulter des sites, etc. OK. Et bah pour pouvoir consulter ces sites, il y a un minimum à apprendre. Le minimum, c'est comprendre c'est quoi un clavier, que quand tu appuies sur des lettres, bah ça tape des lettres, que la souris, elle bouge, il faut qu'elle soit branchée. C'est pas évident, j'en ai parfaitement conscience. C'est juste sensibiliser, dire vous n'êtes pas seul, il faut se tenir les coudes et pas laisser tomber, et pas tomber dans, ah non, mais ton Windows, il est pourri, je t'ai installé autre chose. C'est dire peut-être que si tu as plein de virus sur ton Windows, il y a deux problèmes. Que le système est mal conçu et que tu as une mauvaise hygiène numérique. Ouais, mais quand je vais sur un site pornographique, il y a des trucs qui me disent mon flash n'est pas à jour, j'ai installé. Eh ben non, c'est une mauvaise pratique. Et on enchaîne sur l'hygiène numérique. On lui dit, bah voilà, en cliquant sur mettre à jour le lecteur de vidéo sur ton site porno, bah tu t'es chopé une gastro-informatique. Voilà. Ne pas dire ah, t'es trop nul, il ne fallait pas cliquer. Non, c'est dire une MST, voilà, très bien, une MST. Voilà. C'est vraiment pas être dans. Mais c'est pas évident, j'en ai parfaitement conscience. C'était justement aussi le but de susciter le débat. D'autres réactions ou... Il y a devant. Merci encore pour cette conf. J'ai souvent rencontré des personnes qui souhaitaient contribuer, mais qui n'avaient pas, pensaient ne pas avoir les compétences. Est-ce que tu as des conseils pour les inciter à faire justement du partage, l'initiation aux autres? J'ai rencontré des personnes qui disaient, par exemple, oui. J'aime bien plein de programmes, mais je ne sais pas ce que je peux faire pour justement y contribuer et les améliorer tout simplement. Oui, y a plein de choses. Par exemple, aller dans les communautés correspondantes. Si, je ne sais pas, moi, on aime bien Firefox et puis on dit j'aime bien, on va voir les gens de Mozilla et dire voilà, ça, ce n'est pas intuitif pour moi. Ou on m'a dit que ce n'était pas intuitif. C'est presque dire si on n'est pas informaticien, au contraire, lisez les documentations. Et il faut dire après, voilà, ton truc là, c'est du langage informatique, je comprends rien, c'est pas évident. Ou j'ai essayé d'installer ça, j'ai réussi parce que je suis un peu geek, j'arrive à bidouiller, mais c'est pas évident. Faut pas hésiter à remonter
aux développeurs, aux informaticiens, etc. Ce qui n'est pas évident, ou ça peut être de travailler d'ergonomie, dire ton bouton, il n'est pas, comment dire, il n'est pas accessible. Ou faire de la traduction, tout simplement. Dire, ouais, mais ton truc, c'est en anglais, ok, je comprends l'anglais, mais ou j'ai pas compris, comment dire, faire de la traduction, ou du partage, comment dire, faire des retours d'expérience aussi. Dire, voilà, bah, quand on a un petit bagage, aller vers d'autres qui. Parce que quelqu'un qui a 10 ans de Linux derrière lui, il va peut-être pas être à l'aise en termes de communication par rapport à quelqu'un. Est-ce que tu recommandes aux débutants d'aller sur IRC, de leur proposer justement, si tu veux voir une communauté autour d'un logiciel, rends-toi sur le channel IRC ou va sur Twitter autour du programme. Alors je vais faire une confidence, je vais pas sur IRC. Pourtant, ça fait 15 ans. Ouais, non, c'est une confidence. Et, voilà, je fais, ça fait 15 ans que, comment dire, que je suis dans le monde informatique, tout ça. J'entends toujours des développeurs, ouais, IRC, etc. Tout ça. Je connais pas les commandes IRC, je sais comment on peut y aller, mais j'y vais rarement, parce que, et en plus, il y a un côté hermétique, c'est, bah, les logiciels que j'envoie, c'est un peu limite, dans mon terminal, j'ai mon truc IRC, c'était mon client IRC, etc. C'est pas évident. Donc, tu vois, si tu dis déjà IRC, faut expliquer c'est quoi. À la limite, je préfère qu'on dise aux gens, tu vas sur la page Facebook de Parinux, je sais pas si on en a une, bon, j'en choquais certains, mais, c'est plus, aller rencontrer dans les associations, dans le monde numérique, pour t'impliquer, discuter, etc. Ouais, parce que ça fait tout de suite très rustre. Ouais, c'est ça, c'est comme tu dis, ouais, parce que je voilà, IRC c'est sûrement, j'en suis persuadé, c'est un outil génial, mais pour le commun des mortels, c'est rustre, c'est peut-être pas, c'est un vieil outil, et puis bah, comment dire, c'est pas le meilleur moyen, c'est dire va sur la documentation du site, par exemple, je sais pas, ubuntufr.org, regarde si tu arrives à comprendre ou pas. Si tu arrives pas à comprendre, bah, on va travailler. Éventuellement, système peut-être de parrainage, on va travailler ensemble, ou tu me dis ça, j'ai pas compris, et puis moi qui ai un peu plus de connaissances, je vais essayer de vulgariser, après je te le refais relire à la personne pour voir si elle comprend, et si maintenant elle comprend, bah, on aura enrichi la doc. Voilà. Le plus simple, c'est vraiment d'aller dans les associations, dire voilà, moi j'ai un peu de temps, et j'ai envie de faire ça. Le ça étant, je veux faire de la traduction, je veux faire de la communication, je veux développer ou autre, et puis bah, il y aura forcément des choses à faire. Il y avait d'autres réactions Oui, je fais un atelier de formation IRC après, et tu verras qu'il y a du graphique et des couleurs. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, sinon, Maître Eolas t'a écouté, et sur Twitter, il a fait une blague gauloise. Que fait un druide qui veut un site internet? Il achète un nom de dolmen. Juste une petite intervention en fait sur les personnes qui veulent en fait s'investir dans le libre et s'investir pour partager les connaissances. Quelquefois il faut se faire violence en fait. Quelquefois il faut se dire est-ce que je peux intervenir dans telle association? Est-ce que je peux il y a des personnes qui sont vachement compétentes, plus compétentes que moi, je vais être ridicule. Non, il faut se faire violence. Il faut se dire oui, j'ai des choses à apporter. Parce qu'on a tous des particularités, en fait, on apporte tous une richesse. Il ne faut pas se dire, non, moi, je ne vais pas intervenir. Tu as vu le niveau de celui-là? Oh non, je vais être ridicule à côté de lui. Non, il faut vraiment se faire violence quelquefois et essayer de dire, moi, j'ai ma richesse, j'ai ma particularité et je peux apporter des choses, que ce soit dans le développement, que ce soit dans la technique, pas forcément dans la technique, en fait. Dans l'aide, dans, voilà, on donne, on vient, on donne un coup de main pour installer la salle et petit à petit, en fait, on s'habitue à intervenir, on s'habitue à être dans le milieu et voilà, on se sent plus... Et voilà, moi, j'invite les gens à venir, à franchir le pas et à se faire violence, justement, pour enrichir la communauté du libre. Il y avait une question au fond et je voudrais rebondir sur ce qui a été dit là. Moi, je sais que, par exemple, à l'Ubuntu.fr, régulièrement, y a des gens qui sont, comment dire, qui font les sandwichs, qu'on voit jamais, parce que bon, il y a les gens qui arrivent sur scène, qui font leur rigolo en racontant des blagues sur leurs hémorroïdes, et puis il y a les gens qui sont en coulisses, qui préparent les sandwichs, tout ça, pour que moi je puisse manger le midi, moi et les autres, hein. Et je prends le temps d'aller les voir et de leur dire merci. Et puis ils me disent, je savais pas trop comment aider, je suis pas informaticien, je dis, mais écoute, le boulot que tu fais, il est génial. Tu prépares des sandwichs, moi j'arrive, je fais mon kéké sur la scène et tout ça, et après je peux manger le midi. Et je fais, c'est grâce à toi qui a passé toute la matinée à faire des sandwichs. Et ça, comment dire, c'est un bénévolat qui est super important. Et on a besoin de ces personnes-là. Et après, la personne, elle me dit, tiens, en fait, cet après-midi, j'ai un peu de temps. Est-ce que tu peux m'expliquer? Et puis, on va lui expliquer. Et puis, en fait, ouais, mais je connais tout ça. Je dis, si tu connais, viens de l'autre côté. Viens expliquer. Partage à ton tour. Et en fait, comme on a sympathisé, la personne se sent un peu moins, comment dire, mais je suis nul. Non, tu n'es pas nul. C'est juste que tu as passé du temps à apprendre d'autres choses.
Tu as pris passer du temps, je sais pas, moi, à apprendre la couture, faire à manger, faire des super salades véganes, etc. Pendant que moi, je potassais des man pages. Rappelez-vous le marathonien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Puis on va prendre la question au fond. Du coup, ça. Ouais. Non, il n'y a plus de questions. Tu... Ouais. Ah, pardon, ah, excuse-moi. Ouais, je pensais que c'était. Voilà, vas-y. Du coup, c'est vrai qu'on a besoin de faire de la pédagogie. Je pense qu'on a aussi besoin de faire de la pédagogie auprès de nos pères pour qu'ils comprennent qu'on a besoin de faire de la pédagogie. Et qu'est-ce que tu. Comment, quelle approche tu recommandes vis-à-vis de ça? Parce que c'est pas toujours évident, tu vas tomber face à des gens qui vont dire « Ah, Facebook, c'est le mal, je veux pas en entendre parler, aucune condition », qui vont te dire « Ouais, mais les utilisateurs, ils sont chiants, ils comprennent rien, ils font pas d'efforts ». Bah, c'est un peu ce que j'essayais de dire dans la conférence, c'est que les gens se remettent, peut-être moi le premier, on se remette en question, qu'on soit pas dans le jugement de l'autre. Donc comme tu dis, ouais, les gens ils comprennent rien, oui, bah, ok, mes parents ils veulent pas apprendre, bah, ok, mais c'est du travail de chaque part, c'est de faire comprendre à la personne qu'elle aura un petit effort à faire pour s'approprier l'ordinateur, que c'est pas magique, si elle veut faire des trucs sur Internet, bah, faut qu'elle comprenne comment ça marche. Et c'est pas « non, c'est nul ton truc, ça fait pas ce que je veux ». Non, c'est parce que tu lui demandes pas de faire ce que tu veux. Il faut que tu comprennes comment faut le faire. Et après, c'est aussi à nous d'essayer de s'adapter, d'être pédagogue. Après, c'est pas donné à tout le monde d'être pédagogue, etc. Donc, c'est peut-être dire « ok, moi je suis pas capable de t'expliquer ou je me sens pas de t'expliquer, mais il y a quelqu'un qui est peut-être plus adapté ou à qui tu seras plus à l'aise. Donc je t'invite à aller voir cette personne-là. Et une fois que tu auras le bagage technique nécessaire, bah là je pourrais t'expliquer, parce que moi je ne suis pas trop dans la vulgarisation, je suis plus dans le côté technique. Je pense que c'est un peu ce que je fais moi par exemple. Et savoir aussi ses limites. Je sais que si on me demande des super trucs en crypto, etc., bah, je dis non, écoute, là c'est des questions techniques, je ne sais pas répondre. Bah, je vais t'inviter à voir telle ou telle personne qui là va te répondre de façon peut-être un peu plus technique. Il y a aussi, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question du coup, bon, ouais, plus ou moins, mais bon, c'est pas évident. Voilà, c'est une réponse simple, c'est pas évident, on y travaille, on essaye. Voilà. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a le partage de... Non. Ok, bah, vas-y, si tu veux. Bon, du coup, c'est par rapport à la première question, sur les gens qui s'estiment pas légitimes à intervenir. Bon, du coup, il y a déjà eu des éléments de réponse que je vais certainement répéter, mais... En pédagogie, c'est très important de faire vraiment d'y aller par palier. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui serait au niveau 1 de connaissance, par exemple, je pars en crypto, moi je vais considérer que je suis au niveau 1, je vais me rendre à Iris qui va être au niveau 10, hein, parce que voilà. Moi je peux quand même apporter quelque chose à quelqu'un qui est au niveau 0. Tout à fait. Et je pense que la personne qui est au niveau 0, si Iris lui explique des trucs, je pense qu'il va avoir un peu de mal. Ah, non, parce que voilà. Voilà, ça va être un petit peu compliqué. Donc, c'est assez important et on fait ça, enfin, on essaie de faire ça, à l'école. C'est mettre ensemble des élèves qui ont un niveau proche pour que l'élève qui est au niveau un petit peu au-dessus de l'autre le ramène à son niveau. C'est-à-dire, moi, je peux peut-être tirer quelqu'un au niveau 1. Et peut-être quelqu'un qui va être au niveau 3 pourra, moi, me monter au niveau 3. Et quand moi, je serai au niveau 3, bah, la personne que moi, j'ai amenée au niveau 1, je vais pouvoir l'amener au niveau 3. Et comme ça, on va monter petit à petit. Donc même si on n'est pas tous au niveau 10, c'est pas grave. On peut apprendre des choses aux gens qui sont au niveau en dessous. Et ça, faut prendre conscience de ce qu'on sait et qu'on peut apporter des choses. Il y a une réaction d'Aïris. Et on a aussi besoin justement d'avoir des personnes de niveau 0 jusqu'à 9, parce que les personnes de niveau 10, on est très 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 sollicités et on n'a pas le temps. Et on a besoin d'avoir des personnes, tout le monde n'a pas forcément besoin justement d'avoir l'explication de niveau 10 directement, donc effectivement d'avoir des gens vers qui on peut rediriger, qui vont pouvoir temporiser un peu et monter un peu le niveau avant d'arriver directement auprès du niveau 10. Puis il y en a encore au-dessus, hein, je te rassure. ça peut être très utile aussi, hein, justement, sur les cafés vie privée. Pendant qu'on peut avoir un atelier relativement débutant, bah, pendant ce temps-là, ça laisse le temps pour aller discuter avec un lanceur d'alerte à côté. Alors que si on était tout seul, bah, on ne pourrait pas s'occuper du lanceur d'alerte et il risquerait de faire des conneries. Donc c'est très important d'avoir beaucoup de monde et tout niveau confondu. Et ce sera toujours utile d'avoir plus de bras. On n'a jamais assez de bras de toute façon, donc n'hésitez pas à venir. Ouais.
Donc c'est pour ça on recrute. Et il ne faut pas voir ça comme des groupes de... Il y a les groupes des débutants ou le groupe des nuls. Non, c'est des groupes par affinité. Il faut vraiment le présenter comme ça, dire voilà, il y a ceux qui veulent apprendre le coffre-fort numérique. En fait, c'est ce qu'on fait au début du Café Rivé. On demande un peu les thématiques. Il y a des gens qui disent « je connais rien, je viens découvrir ». Ok, bah, on va commencer par présentation de l'hygiène numérique, des bases, le tracking sur Internet. Il y a des gens qui viennent en disant « ah, moi, je veux apprendre tel algo et comment configurer ma clé SSH, etc. » Il y a des gens qui vont être complètement largués avec ce que je viens de dire là. Eh bien, c'est pas grave. On fait un groupe spécialisé sur les clés SSH, etc. Et c'est des groupes, c'est un peu des groupes de niveau, mais c'est par rapport aux besoins qui définissent le niveau. Moi, je suis lanceur d'alerte, ben, j'ai un niveau de connaissances élevé à avoir. Donc, ben, je vais être dans le groupe des gens qui ont besoin de connaissances élevées. Et ce n'est pas des groupes de nul ou moins nul, c'est juste des groupes de qu'est-ce que j'ai envie de faire, et je vais dans le groupe qui correspond à ce dont j'ai besoin. Voilà. Il ne faut pas le voir vraiment comme une notion de nul, pas nul, sinon plus en fonction des besoins. Et puis, bah, plus j'ai besoin de sécurité élevée, plus j'ai besoin d'aller loin dans la technique. C'est un équilibre à trouver. Voilà. On va prendre les réactions avant de finir. Je voulais compléter cette question-là. Il y a aussi le débutant, parfois, est meilleur que l'expert pour expliquer à un autre débutant. Pour plusieurs raisons, c'est-à-dire parfois, il va être plus crédible que l'expert. L'exemple simple, c'est justement sur la simplicité de Linux. C'est quand tu es expert et que tu vas dire « Non, mais mets Linux, ça sera plus simple à utiliser pour toi que Windows, parce que tu n'auras pas besoin de faire tes mises à jour d'antivirus, parce que ça sera plus sécurisé, tu auras moins de problèmes, ça sera un peu plus carré que ton Windows. » L'autre, il va dire, le débutant va te répondre « Non, mais toi, c'est normal, tu te connais bien, Linux, c'est facile pour toi. » Et si c'est un débutant qui le dit, et ben, ça a beaucoup plus de poids qu'un expert. Et puis l'autre chose aussi, ça va être une histoire du vocabulaire, c'est-à-dire que on parlait de pédagogie, il y a le problème de pédagogie, mais aussi l'expert, il maîtrise un vocabulaire que le débutant n'a pas forcément, et n'a pas toutes les clés pour comprendre. Et même si l'expert parle bien, et parfois on se rend pas compte du vocabulaire qu'on utilise, et ça peut déstabiliser un débutant. Alors que si c'est un débutant un petit peu plus expérimenté, il maîtrisera pas forcément ce vocabulaire, il expliquera peut-être les choses d'une manière moins précise, parfois avec des erreurs, mais ces connaissances sont peut-être beaucoup plus accessibles aux débutants d'un niveau inférieur. Comme voilà. Tu dis, bah, le chiffre est crypté. Un débutant va dire à l'autre, ah, bah, si tu veux crypter, et puis ça parle à tout de suite, on lui dit, alors si tu veux chiffrer, c'est quoi ton truc chiffré? C'est crypté. Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est un bon exemple. J'avais une autre petite réaction aussi par rapport à l'installation de... Parfois, on hésite à installer Linux à des gens pour le problème de la maintenance. Et je pense qu'il faut, parfois faire l'effort de pousser un petit peu les gens à passer à Linux. Le problème de la maintenance, parfois, moi, j'ai eu la grave surprise de voir qu'il y avait des débutants. Je me dis, mince, je vais devoir me taper toute la maintenance derrière parce que ils vont pas trouver dans leur entourage des personnes ressources. Et en fait, maintenant, il y a quand même de plus en plus de gens qui connaissent Linux. Et finalement, ben, on les lâche et ils se débrouillent très bien. Et la preuve en est, c'est que enfin, moi, je suis dans un lug et il y a des gens, on ne les voit pas pendant plusieurs années. On les revoit que quand ils changent d'ordinateur ils se débrouillent très bien de manière autonome et on n'a pas besoin de faire de maintenance derrière. Et on peut voilà. Je pense que c'est bien parfois de tenter. Idéalement, en fait, il faut les former à la maintenance. Leur expliquer que bah, tu fais tes mises à jour, tu cliques ici, etc. Il y a un accompagnement aussi à ce qui s'approprie l'outil. Et pour moi, s'approprier l'outil, c'est comprendre qu'il y a les mises à jour à faire. Comme pour ma voiture, je vérifie mes niveaux d'huile ou la pression de mes pneus avant de partir en vacances. Et bah, je fais les mises à jour de mon ordinateur. Je m'approprie l'outil. Voilà. Et on va peut-être prendre la dernière réaction. Parce qu'on, ouais, toute dernière, vas-y. Bah, moi, je travaille beaucoup avec des journalistes parce que pour des questions de protection des sources et ce genre de choses. Et je les pousse vraiment à utiliser du logiciel libre au jour le jour pour tous leurs usages en fait, pas seulement pour protéger les sources, mais pour tout ce qu'ils ont à faire avec le numérique. Ce qu'on s'aperçoit, c'est effectivement, nous on est organisé en association, donc on a la possibilité de les accompagner pratiquement faire des astreintes pour pallier aux urgences en fait, comme c'est une profession critique, etc. Peut-être que ça vaut le coup de s'organiser avec 3-4 potes pour faire un support plus ou moins efficace, mais qui permette aux gens
de poser leurs questions un peu quand ils veulent et de les guider aussi et de les accompagner pour passer les niveaux petit à petit en fait. Voilà. Ça revient un peu à tout ce que fait Paris Linux, etc., avec les premiers samedis où c'est un rendez-vous régulier, on peut venir pour avoir une sorte d'assistance. Il y a les systèmes de parrainage avec par exemple Parrain Linux, etc., où là, mais le but c'est pas de résoudre les problèmes de personnes, c'est de l'accompagner pour qu'elle apprenne à les résoudre et pour qu'elle puisse après éventuellement aider d'autres personnes. C'est ça qui est important comme message à faire passer, c'est pas je te fais ton truc et c'est bon. C'est non, c'est je t'accompagne pour que toi tu saches le faire et que tu puisses éventuellement un jour aider d'autres personnes. Toujours cette notion d'appropriation de l'outil. Voilà. Et on conclura là-dessus, je pense. Merci à toutes et à toutes. Merci. Puis bonne continuation.